Bien, alors avant de, commencer le cours, quelques petites indications matérielles. Alors cette année, à titre tout à fait exceptionnel, on a regroupé les troisième années de licence et les étudiants de master pour un seul cours de sémantique, dénommé sémantique avancée. Je vous expliquerai un peu en quel sens on peut parler de sémantique avancée, enfin tout au moins en quel sens je l'entends. Je vais essayer de m'adapter à chacun. Évidemment, vous n'avez pas tous le même niveau entre les étudiants de troisième année et ceux de Master 2. Donc, je laisserai toujours un peu de temps à la fin du cours pour pouvoir répondre aux questions, en particulier des étudiants de troisième année. Et puis, si les étudiants de Master 2 trouvent que le niveau est un peu trop élémentaire, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je vais essayer de faire quelque chose qui puisse convenir à chacun. Et je pense pouvoir le faire dans un choix thématique du cours assez particulier qui je pense conviendra à tout le monde. Alors, vous avez tous le même cours, mais l'évaluation évidemment ne sera pas la même, puisque pour les étudiants de licence, vous avez un examen à la fin de l'année. Je précise également que pour les étudiants de licence qui suivent un TD avec Madame Doualand, l'enseignement de TD est complètement dissocié de l'enseignement en cours magistral. Ce sont deux choses complètement différentes. Pourquoi, monsieur ? Pardon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, parce que... tout simplement parce que on n'a pas toujours des gens qui sont spécialistes de la chose que fait le prof en CM. Donc plutôt qu'on ait un enseignant qui bricole pour essayer d'apprendre rapidement ce que le prof fait en CM, il est préférable qu'il fasse quelque chose qu'il sait faire. Et du coup, je vais adapter aussi ce cours en essayant d'être pas trop magistral pour laisser place aux questions, au dialogue. au travail sur les textes, mais effectivement, c'est comme si vous avez deux cours différents en réalité entre le CM et le TD. Voilà, là aussi, c'est assez exceptionnel cette année. Bon, une chose, je sais pas, de toute manière, ce qui se passe les années suivantes, vous en fichez un peu sans doute, mais bon, voilà, c'est comme ça cette année. Autre chose, pour ceux que j'ai déjà eu au premier semestre, vous le savez, mais je l'indique pour les autres. J'ai l'habitude d'enregistrer tous mes cours et de les mettre en ligne ensuite, quelques jours après, en principe avant le cours de la semaine qui suit. Je mets en ligne donc à la fois l'enregistrement audio du cours et le PowerPoint que j'utilise. Alors, je me suis connecté là pour vous montrer, donc il faut aller... vous voyez l'adresse mail, hein, c'est un site Jindo, vous tapez sur Google Philippe Monneret Jindo, vous tombez dessus, vous allez dans cours et séminaires, vous avez ici le séminaire de linguistique théorique, je vais vous en dire un tout petit mot, et ensuite là vous avez semestre 2, hein, licence 1, cours commun, licence et master, sémantique avancée. Pour l'instant il n'y a pas de lien actif parce que je n'ai pas encore mis en ligne le cours, mais c'est là que vous récupérerez. De la même manière que, par exemple, vous voyez, si je vais sur le cours de licence 3, vous avez PowerPoint du cours, enregistrement du cours. Hein, pour chaque cours, vous aurez ça. Donc, si vous manquez un cours, c'est pas grave, vous pouvez le récupérer par le site. Je ne vous dis pas ça pour que vous restiez chez vous et que vous ne veniez pas, bien sûr. Cela dit, ça fera de la place aux autres. Mais j'ai remarqué que le fait de mettre tout à disposition pour les étudiants ne les empêche pas de venir en cours. Si ça les intéresse, bon, voilà. Oui ? Il n'y a pas de lien pour le cours de sémantique. Ben oui, parce que y a le cours qui va être en ligne va l'être peut-être demain ou après-demain. Il n'est pas encore fait, puisqu'on est en train de le faire, là. D'accord ? Donc, il y aura un lien après. alors, je vous signale en passant, alors également pour les étudiants de master, mais même pour les étudiants de troisième année, je vous signale ce séminaire qui a lieu, alors je ne sais pas si vous êtes disponible, si vous avez cours, c'est absolument, totalement facultatif, mais il y a au deuxième semestre, donc, je fais un séminaire dans lequel chaque semaine, il y a un invité différent d'une université
française en général hors de Paris 4, donc un prof que vous ne connaissez pas. Vous êtes tous les bienvenus à ce séminaire, hein, c'est à l'amphi des cartes, donc il y a de la place, là, c'est pas comme ici. Donc vous pouvez venir si ça vous amuse ou si ça vous intéresse, que vous soyez inscrit ou pas dans ce cours, mais peu importe, c'est vraiment pour les étudiants de master, c'est pour la notre culture linguistique générale, si vous voulez, et pour les étudiants de troisième année, ça vous donnera une idée quand même assez concrète de ce que c'est que la recherche en sciences du langage, parce que tous ces chercheurs qui viennent parler là viennent parler en tant que chercheurs, hein, donc éclairent un aspect de leur recherche dans une thématique liée à la linguistique théorique. Donc vous pouvez venir, ce n'est pas du tout obligatoire, mais vous êtes les bienvenus. Vous avez le programme donc là également sur le site du cours, enfin sur le site, sur la rubrique cours et séminaire de mon site internet. Vous pouvez venir à une séance si le sujet vous intéresse, ou pas à une autre. Enfin, vous êtes entièrement libre, mais en tout cas, je tenais à vous dire que vous avez la possibilité de venir. Alors, maintenant je reviens donc au cours. Je vais vous donner aussi quelques indications tout à fait élémentaires pour l'instant. On en reparlera pour l'évaluation du cours. Donc, pour les étudiants de troisième année, l'évaluation, je l'ai dit, sera faite en examen sous forme d'un examen écrit à la fin de l'année. Donc, vous aurez des questions CM, des questions TD sur deux copies séparées. Moi, je corrigerai les questions CM et corrigera les questions TD. Les questions que je vous poserai seront principalement des questions de cours. Pour ceux qui ont suivi le cours de premier semestre signification et théorie linguistique, il y en a parmi vous, hein, je vous reconnais. Ouais. Donc c'est un peu le même genre de questions que celles que je vous ai posées au premier semestre. Est-ce que vous avez été surpris par les questions que j'ai posées? C'était prévisible, hein? Oui, voilà, il n'y avait pas de mauvaise surprise. Donc ce sera du même genre. Vous allez voir, je vais vous exposer toutes sortes de concepts, de notions, et je vous interrogerai soit à partir d'une question formulée directement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par X étant telle ou telle notion, ou alors à partir d'une citation, il faudra montrer que vous avez bien compris le cours et les références bibliographiques données pendant le cours. Donc, c'est un examen qui est vraiment sous une forme de question de cours et pas d'exercice. Il n'y aura pas d'exercice à proprement parler, comme quand on fait un cours de syntaxe, par exemple, ou de morphologie, c'est peut-être plus facile de faire des exercices. Là, le type de thème que j'ai choisi ne se prête pas à faire des exercices, mais se prête plutôt à une restitution de connaissances. Pour les étudiants de master, je demanderai un travail personnel qui sera un petit essai d'une dizaine de pages maximum, hein, sur un sujet lié au cours, lié aussi à vos intérêts de recherche. Donc on essaie ensemble, là je vous reçois tous individuellement. Vous êtes nombreux en master, est-ce que vous pouvez vous... Ah oui, quand même. Ah oui. On va essayer de trouver des solutions par mail. Peut-être, oui, d'ailleurs, certains, évidemment, ont suivi le cours en premier semestre, en master, d'autres non, mais donc on essaiera de trouver ensemble des sujets qui sont en lien avec vos intérêts de recherche, mais qui soient quand même liés à la question qui sera abordée pendant tout le semestre. Voilà, alors... Avant que j'entre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect matériel? Alors, une autre remarque pour l'aspect matériel. Pour un cours de 2 heures, j'ai l'habitude de faire une petite pause pour couper, parce que sinon on perd complètement la concentration des gens si on fait 2 heures d'affilée. Et puis, comme je l'ai dit, j'arrêterai un peu avant, d'une part pour récupérer vos questions, et d'autre part, parce que j'ai un cours à Malesherbes juste après, donc je suis vraiment obligé de partir à 13h pile. Donc si on veut avoir le temps de poser des questions, tout ça, il faut que j'arrête le cours à moins le quart à peu près. Moins 20, on verra. Je préfère
préfère moins monopoliser la parole et être plus certain que vous compreniez ce que je dis. Ça me paraît un peu cohérent. Bon, alors, est-ce qu'il y a donc des questions matérielles, non? Très bien. Alors, nous allons commencer. L'intitulé de ce cours, Sémantique avancée, ça n'est pas un intitulé que j'ai choisi, hein, c'est un intitulé qui était là dans les maquettes des enseignements et on m'a demandé d'assurer ce cours sous ce titre. Donc il y a toutes sortes de façons de l'entendre. L'idée d'une sémantique avancée, c'est tout de même l'idée d'une sémantique spécialisée, si vous voulez, hein, par rapport à des problématiques générales de sémantique qu'on peut introduire dans les premières années de licence, quand on explique ce que c'est qu'un signifié, par exemple, un référent, le lien avec la différence entre un signifié et un concept, enfin, c'est une notion extrêmement générale que, en principe, vous maîtrisez maintenant. Donc, je vais me concentrer sur une problématique précise en apportant trois limitations ou trois spécialisations, si vous voulez, à partir du champ de la sémantique. Je n'ai pas besoin, je suppose, de préciser que la sémantique, c'est l'étude du sens en général. Hein. Bon. Je vais d'abord me spécialiser sur le champ de la sémantique grammaticale. Donc, sémantique grammaticale, par opposition à la sémantique lexicale, sachant que, malgré tout, cette distinction qui est dans la tradition grammaticale assez claire, puisqu'on distingue bien dans les parties du discours, par exemple, les parties du discours plutôt grammaticales, des parties du discours lexical, les parties du discours lexical étant le nom, le verbe, l'adjectif, l'adverbe, et les parties grammaticales, les déterminants, les conjonctions, les prépositions et les pronoms. Bon, c'est une distinction qui, malgré tout, pose toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de frontières un peu délicates, hein, ne serait-ce que dans le cas des adverbes. Vous voyez, si vous prenez les adverbes en ment, comme pas rapidement, lentement, etc., on voit bien la dimension lexicale de ces adverbes, il y a du sens lexical, qu'on peut se représenter, si vous voulez, cognitivement. En revanche, si vous prenez un adverbe comme « si » ou « très », des adverbes intensifs, on voit bien que là, le sens est beaucoup plus proche du grammatical que du lexical. Bon, je ne vais pas insister sur cette distinction qui repose, grosso modo, qu'on peut décrire, hein, comme une distinction entre un sens plutôt descriptif du côté du sens lexical et plutôt instructionnel du côté grammatical. Mais propre à ce cours que je vais vous proposer, c'est que ce sera de la sémantique grammaticale au sens de la seconde limitation, c'est-à-dire que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, j'en suis pas encore à la seconde limitation, j'en suis toujours à la première, donc sémantique grammaticale, mais à l'intérieur de la sémantique grammaticale, on va travailler sur un problème particulier qui est la sémantique du verbe, hein, et plus spécifiquement, les variations de sens des modes et temps verbaux, donc la sémantique du système verbotemporel, qui est un sujet extrêmement riche, extrêmement complexe, hein, qui conduit à se poser toutes sortes de questions ne sont pas entièrement résolues. Hein, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un passé simple et un imparfait en français? Quelle est vraiment la distinction entre ces temps du verbe? Pourquoi est-ce que c'est si difficile à maîtriser lorsqu'on apprend le français, qu'on n'est pas locuteur natif du français? Pourquoi est-ce que c'est si difficile à maîtriser? Pourquoi ça n'existe pas dans toutes les langues, etc., etc.? Bon, il y a toutes sortes de problèmes, ne serait-ce qu'à partir de cette distinction. Bon, et là, je ne prends qu'un exemple très classique qui pose toutes sortes de problèmes, d'ailleurs, à tous les niveaux, hein, de l'enseignement, y compris dans l'enseignement
de la grammaire traditionnelle à l'école. Bien, donc sémantique grammaticale et sémantique grammaticale au sens de la sémantique du système verbo-temporel. Alors, évidemment, la sémantique du système verbo-temporel, c'est de la sémantique grammaticale parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est la variation de sens en fonction de la variation du temps et du mode du verbe. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là que c'est grammatical. C'est pourquoi, quelle est la différence de sens entre « il marcha » et « il marchait » bon. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis passé de « il marcha » à « il marchait » J'ai juste changé la désinence. Hein, de A en E, le morphème A est devenu le morphème E. Bon. Donc j'ai bien changé quelque chose qui est de nature grammaticale. Hein. La désinence qui indique le temps et le mode du verbe, c'est un morphème qui est typiquement grammatical. Bon. Mais on verra, et c'est là où toujours on retombe sur des problèmes de frontières entre le lexical et le grammatical, que c'est absolument impossible de traiter dans son ensemble la question du système verbo-temporel sans entrer dans le sens même des verbes, ne serait-ce qu'à cause de cette distinction très usuelle dans la description du système verbo-temporel entre les verbes perfectifs et les verbes imperfectifs. Hein? Cette distinction, sur laquelle je reviendrai bien entendu longuement, c'est une distinction qui touche le sens du verbe. Hein? Si le verbe marcher est imperfectif et que le verbe exploser, par exemple, est perfectif, ça vient du sens du verbe. Donc vous voyez que le lexical et le grammatical sont aussi là extrêmement mêlés. Bon, ça c'est la première limitation. On ne fait pas de la sémantique. C'est une première limitation thématique double, si vous voulez. Sur l'ensemble de la sémantique, on se limite à la sémantique grammaticale. Et à l'intérieur de la sémantique grammaticale, on se limite au chapitre de la sémantique du système verbo-temporel. Bon, maintenant, une deuxième limitation qui est une limitation théorique. Je vais aborder en priorité cette question sous un angle théorique très spécifique qui est celui de la psychomécanique du langage ou, si vous voulez, de la linguistique guillaumienne, c'est-à-dire de la linguistique de Gustave Guillaume. Alors, pourquoi je fais cela ? D'abord, parce que une de mes spécialités, donc je connais bien cette théorie. D'autre part, parce que à la Sorbonne, il y a toute une tradition de la psychomécanique du langage dont je vous parlerai tout à l'heure. Et si vous voulez, c'est une tradition très ancienne, hein, qui date des années 50 à peu près, 1950. Donc il y a une tradition de l'enseignement de cette théorie linguistique à la Sorbonne. Et puis, par ailleurs, c'est au fond la seule grande théorie linguistique française. Le guillaumisme, la psychomécanique du langage, c'est la seule grande école linguistique française. Alors, grande au sens où il y a un corpus théorique très important, j'y reviendrai, pas forcément grande au sens de son impact, pour des raisons que je vous expliquerai aussi plus tard. Enfin, bon, à mes yeux, c'est une théorie importante, surtout importante ici à la Sorbonne, je précise immédiatement que je ne me contenterai pas, même si j'utiliserais cette théorie comme point de départ, je ne considérerai pas que cette théorie énonce l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à dire sur la sémantique du système verbo-temporel. On comparera dans la mesure du possible, parce qu'on n'aura pas le temps évidemment d'examiner l'ensemble des théories disponibles sur les questions qu'on va traiter, mais on comparera avec d'autres approches théoriques qui seront abordées d'une manière moins approfondie, mais quand même pour évaluer les cas où la psychomécanique du langage est plus pertinente, là où elle est moins, etc. etc. Donc ce sera aussi une évaluation, dans une certaine mesure, critique de la psychomécanique du langage. Et enfin, dernière limitation, je me limiterai à la langue française. Donc ce sera la langue support de la description théorique. Hein, on va élaborer le modèle théorique à partir du français, mais Gustave Guillaume lui-même a travaillé sur
beaucoup d'autres langues. Les guillaumiens, il y a une théorie psychomécanique d'autres langues, hein, en particulier des langues romanes, mais également de l'anglais, de l'allemand, etc. Et du coup, si le français restera notre horizon primordial, eh bien, je ne m'interdirai pas des échappées quand même comparatives sur d'autres langues quand ce sera pertinent. Alors, en particulier pour les étudiants de master, je précise que si vous maîtrisez d'autres langues que le français, un des sujets qui m'intéresserait beaucoup, c'est sur tel ou tel aspect du modèle théorique que je vais décrire à partir du français, eh bien, ce serait que vous produisiez, que vous essayiez de voir si ça s'applique dans une autre langue, hein, quelle qu'elle soit. C'est vraiment le sujet qui est le sujet à privilégier, qui est le plus intéressant pour moi. Alors, je vous donne également quelques petits éléments bibliographiques. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire tout cela, c'est vraiment une bibliographie maximale. Je vous indiquerai au fur et à mesure les... Alors, attendez, il y a un truc qui s'affiche là. Pardon. Je vais enlever ça, voilà. Donc, les éléments bibliographiques sont indicatifs. Vous pouvez feuilleter un peu ces livres, mais ce qu'il y aura à lire vraiment, en tout cas, je précise pour les étudiants de licence, évidemment, la chose est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre pour les étudiants de master, mais pour les étudiants de licence, les lectures obligatoires seront toutes données sur le site internet. Comme je ne savais pas du tout combien vous étiez, je n'ai pas pu prévoir un tirage de documents. Donc je vais vous projeter un document Word qu'on pourra travailler ensemble. Mais pour les cours suivants, comme vous êtes trop nombreux pour que je puisse venir avec des piles de photocopies à chaque fois, vous irez télécharger les documents que je mets en ligne, vous les imprimez si vous voulez. Ça me paraît difficile de les imprimer pour tout le monde. Combien vous avez ? Je verrai ça tout à l'heure, mais vous avez bien une soixantaine. Bon, écoutez, on verra. Si c'est possible, je viendrai avec les photocopies. Là, ça n'était pas possible pour la séance d'aujourd'hui. Alors, les trois premiers, je commente rapidement parce que j'y reviendrai, mais bon, j'y reviendrai dans une partie chronologique introductive du cours. Donc, les trois premiers livres sont des textes de Guillaume. Hein. Nous allons travailler principalement, ce sera le point de départ, sur le livre de 1929, Temps et Verbe, qui est vraiment le point de départ de toute la théorie guillaumienne du système verbo-temporel, qui a ensuite évolué d'une part chez Guillaume et aussi chez les guillaumiens. Hein, c'est-à-dire les lecteurs de Guillaume qui ont poursuivi sa théorie, ont modifié certains aspects, etc. Bon, ensuite, j'ai noté en bibliographie un de mes livres qui porte un titre qui a l'air de n'avoir absolument rien à voir, mais en réalité, le premier chapitre de ce livre, Notion de neurolinguistique théorique, est une espèce de synthèse de l'ensemble de la théorie guillaumienne sur le français, donc vous pouvez vous y référer. Alors, vous regarderez sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, ce livre est entièrement en ligne sur Academia Edu. Donc j'ai mis un lien sur mon site internet, vous pouvez accéder à partir de là sur l'ensemble des textes que j'ai mis en ligne sur Academia Edu, et là vous avez l'ensemble du texte, Notion neurolinguistique théorique, donc il est facilement accessible. Et puis deux ouvrages qui sont plutôt des outils, hein, qui sont des dictionnaires, le premier de 90 de Catherine Douai, ah oui, il y a peut-être une coquille là, Catherine, et Daniel Roulant, Vocabulaire technique de la psychomécanique du langage. Je vais corriger tout de suite. Voilà. Donc, Catherine Douai et Daniel Roulant, Vocabulaire technique de la psychomécanique du langage, et Annie Boone et André Joly, Dictionnaire terminologique de la systématique du langage.
D'ailleurs, ces deux dictionnaires viennent jolis et roulants, sont plutôt des anglicistes, en fait. Hein, c'est la veine... si vous voulez, parmi les Français qui ont continué la linguistique guillaumienne, bon, bah, il y a des francisans, des gens qui travaillent sur le français, il y a un gros bloc d'hispanistes, un gros bloc de spécialistes d'anglais, et puis des spécialistes italiens. Après, pour les autres langues, c'est beaucoup plus ponctuel, hein, pour l'allemand, tout ça. Et puis pour les langues plus rares, eh bien, enfin les langues plus éloignées, disons, des langues romanes, là, c'est encore plus... Il y a encore moins de travaux. Ah si, il y a sur l'inuit, la typomécanique de l'inuit. Bien, alors, je vais commencer donc par vous dire quelques mots de Gustave Guillaume, né en 1883, mort en 1960, qui est entré dans le champ de la linguistique d'une manière assez particulière, parce que c'est un autodidacte qui était employé de banque et qui avait comme client Antoine Meillet, un grand linguiste dont je vais vous dire un mot tout à l'heure. Et Meillet, pour des raisons évidemment qu'on ne connaît pas très bien, mais on suppose que Guillaume a manifesté son intérêt pour les questions de langage, que Meillet l'a invité à suivre ses cours, etc. Donc, à partir... À l'âge de 26 ans, Guillaume commence à suivre les cours de Meillet à l'école pratique des hautes études. Alors, rapidement, Meillet, quelques mots sur lui. C'est un des très grands noms de la linguistique française au sens de la linguistique générale et comparée. Il enseigne... au Collège de France, à l'École pratique des hautes études. Vous voyez qu'il a suivi les cours de Havet, Bréal, Saussure. Bon. Et donc, il a occupé en 1905 la chaire de grammaire comparée au Collège de France. Il travaille sur les langues indo-européennes et également, donc, il a travaillé plus spécifiquement donc, sur l'arménien à l'École des langues. Bien, vous voyez que là je vous ai indiqué, parce qu'elle est bien faite, j'ai repris un extrait de la notice Wikipédia qui est consacrée à Meillet. On vous rappelle qu'il a formé toute une génération de linguistes français, hein, Benveniste, Marcel Cohen, Dumézil, enfin Dumézil n'étant pas vraiment un linguiste, mais Martinet, Aurélien Sauvageau, Teignière, Vandriès. Et Hagenauer, spécialiste de japonais. Il a dirigé aussi la thèse de Jean Paulhan. Et c'est, comme l'indique très justement cette notice, c'est lui qui a découvert Gustave Guillaume. Bien. Alors, pour vous brosser rapidement la situation au tout début du siècle, à Paris, il y a une sorte de clivage qui n'est plus aujourd'hui tout à fait perceptible entre d'un côté la linguistique et de l'autre côté la philologie. La linguistique est plutôt représentée à l'extérieur de la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études, au Collège de France, aux langues orientales, etc. La linguistique à proprement parler. Et puis la Sorbonne, elle, est plutôt du côté de la philologie, c'est-à-dire de l'histoire de la langue, de la stylistique. Hein. Donc vous avez d'un côté Bruno et de l'autre côté Meillet. Hein. Bruno étant plutôt le représentant de la philologie, de l'histoire de la langue. Hein. Vous connaissez les travaux d'histoire de la langue de Bruno. Et de l'autre côté Meillet pour la linguistique. Alors ce clivage a duré pendant longtemps jusqu'à l'arrivée de Robert Léon Wagner dans les années 50 qui... a connu le travail de Guillaume par Meillet, hein, notamment, et qui a introduit, si vous voulez, Guillaume à la Sorbonne. Et ensuite, il y a eu toutes
sorte de successeurs, Moynier, Robert Martin, Potier, aujourd'hui Olivier Soutet, etc. etc. Bon. Ce qui s'est passé avec Gustave Guillaume, c'est que Guillaume a travaillé sur le français, hein, sur l'article, sur le verbe, je vais y revenir dans un instant, mais il a travaillé sur le français en théoricien et pas en historien, c'est-à-dire en philologue. Donc du coup, il y avait par Guillaume, transmis par Wagner dans les années 50, sur l'héritage de Meillet, hein, eh bien, une rencontre entre le champ de la philologie et le champ de la linguistique. Et tout d'un coup, on a commencé à faire de la linguistique française, c'est-à-dire à utiliser des méthodes qui venaient de la linguistique, de Saussure en particulier, hein, notamment, donc à avoir des méthodes, des théories issues de la filiation de la grammaire générale comparée, hein, mais appliquées au français. Du coup, étant appliquées au français, prenant également en compte les acquis, en particulier de l'histoire de la langue, que pratiquait la philologie. Donc, si vous voulez, une des, parmi toutes les raisons pour lesquelles Guillaume est intéressant dans l'histoire des idées linguistiques, c'est que c'est par lui que s'est opéré, en France en tout cas, ce croisement entre la linguistique française et la linguistique tout court, si vous voulez, ou entre la philologie française et la linguistique, pour devenir la linguistique française. Parler de linguistique française dans les années 30-50, c'était très bizarre. Ça n'avait presque aucun sens, c'était presque une alliance de mots absurde. Parce que la linguistique était une chose, la philologie était une autre chose, qui n'avait rien à voir les unes avec les autres. Bon, voilà, j'exagère, je force un peu le trait. Mais voilà, donc, historiquement, l'un des apports de Guillaume, ça a été ça, par l'intermédiaire donc, de Robert Léon Wagner. Alors donc, Guillaume suit les cours de Meillet et, 10 ans après, publie un livre absolument remarquable en 1919, qui est donc dont l'impact, si vous voulez, et dont l'intérêt est souligné notamment par Louis Havet, dont il était question ici, hein, Louis Havet. Oui, voilà, au début, hein, comme étant, disons, l'un des maîtres de Meillet, donc avait a écrit dans le Journal des Savants un compte-rendu extrêmement élogieux du livre de Guillaume, indiquant notamment, mais on y reviendra longuement, que Guillaume était un linguiste psychologue. Bon, on reviendra sur ce que ça signifie, et vous comprendrez rapidement de quoi il s'agit. Bon, donc un premier livre très remarqué, mais voyez, un livre d'autodidacte, c'est-à-dire quelqu'un qui, il a juste suivi des cours à l'École pratique des hautes études, bon, je dirais que ce n'est pas tout à fait autodidacte, puisque on ne sait pas trop d'ailleurs, en tout cas, moi je ne sais pas ce qu'il a fait avant, dans quel lycée, collège il était, etc. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait avant ses 26 ans, mais bon, pas sûr que ça ait une importance très très grande, quoique faudrait voir, mais on sait surtout qu'à partir de cet âge-là, il a suivi les cours de Meillet. Bon, et à partir de là, il écrit un livre qui est immédiatement remarqué dans la communauté des linguistes. 10 ans après, il publie son deuxième livre, Temps et Verbe, théorie des aspects, des modes et des temps. Alors vous voyez tout de suite, théorie. C'est une linguistique qui accorde une importance très grande à la question de la théorie. C'est là aussi un livre remarqué, et ces deux livres sont vraiment les deux livres fondamentaux de Guillaume. Il y a, en gros, il y a deux livres de Guillaume, ce sont ces deux. Il n'y a pas une bibliographie monstrueuse, hein. Guillaume n'est pas quelqu'un qui a beaucoup écrit, mais il a écrit des choses suffisamment puissantes pour qu'elles aient marqué les esprits.
et pour qu'elle soit toujours aujourd'hui commentée. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on demande aux chercheurs, aux universitaires de publier beaucoup, tout le temps, n'importe quoi. Gustave Guillaume est un linguiste dont on parle encore plus d'un siècle après. Il a très peu publié, peu importe. Hein. Alors, on peut parcourir rapidement le reste de sa bibliographie, parce qu'elle est relativement limitée. Après Temps et Verbe, il commence à publier des articles, dans des revues spécialisées. Alors, en 1933, Immanence et transcendance dans la catégorie du verbe, esquisse d'une théorie psychologique de l'aspect, publiée dans le journal de psychologie normale et pathologique. Oui, un peu étonnant, hein ? Un linguiste qui publie dans une revue de psychologie qui parle d'une catégorie grammaticale qui est l'aspect, hein, je vous confirme qu'il parle bien de l'aspect au sens où on parle de l'aspect dans le verbe, hein, mais théorie psychologique de l'aspect. En 37, thème de présent et système des temps français, genèse corrélative du présent et des temps, toujours dans le journal de psychologie normale et pathologique. Donc vous voyez que ici le sujet est plus directement grammatical, mais à nouveau on a une publication dans une revue dite de psychologie. Donc les liens, si vous voulez, entre la linguistique et la psychologie étaient peut-être plus forts qu'aujourd'hui, sachant que les frontières entre la psychologie et la philosophie à l'époque étaient aussi assez poreuses. Hein. Bon. Comme on dit, la psychologie était une spécialisation de la philosophie. Je simplifie outrancièrement, mais bon, c'est pour juste cadrer la différence avec la situation contemporaine. En 38, Guillaume obtient un poste de chargé de conférence à l'école pratique des hautes études. Alors, sur la pression de Meillet, hein, on lui trouve mais c'est une charge de conférence, hein, il a un poste de vacataire. Et c'est le seul poste universitaire qu'il aura jusqu'à la fin de ses jours, hein, donc Guillaume n'est jamais devenu un universitaire, il n'a pas fait une carrière académique, hein, il a enseigné comme chargé de cours, et puis il faisait des petits boulots pour gagner sa vie à côté, il avait une rente, il était plus ou moins rentier, il avait un héritage, il sortait avec ça, et puis il faisait la comptabilité de gens de particuliers, enfin bref. Et il a consacré sa vie entière à la linguistique. En fait, c'est un genre de savant d'une sorte qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vocation quasi religieuse à l'égard de la linguistique. C'est quelqu'un qui ne vivait, qui a consacré sa vie entière à ça. Alors, ces conférences ont donné lieu à des transcriptions par les auditeurs et on a également les notes de Guillaume. Et je vous en reparlerai plus en détail dans un instant, mais toutes les leçons que Guillaume a données à l'école pratique des hautes études, on en a des traces via les notes de Guillaume, surtout via les notes de Guillaume. Et elles sont publiées, il y a beaucoup de volumes des cours de Guillaume à l'école pratique des hautes études. J'y reviens dans un instant. Alors on va continuer rapidement la bibliographie. Donc en 38, dans le bulletin de la Société linguistique de Paris, il a d'ailleurs fait partie de la Société linguistique de Paris, il a même présidé la Société linguistique de Paris, donc il a quand même eu un tout petit peu il a participé à la vie académique de la linguistique, mais il n'a jamais fait une conférence à l'extérieur de son séminaire. Jamais participé à un colloque, rien. Il parlait dans son séminaire, point. C'est tout. Si on voulait l'entendre, il fallait aller le voir dans son séminaire. Enfin, son séminaire, ses leçons à l'école pratique des hautes études. Donc, vous voyez qu'on reste, hein, comme dans les cas précédents, il continue à approfondir la question du verbe. Discernement et entendement dans les langues, mot et partie du discours, là on élargit à la question plus générale du mot, toujours dans le journal de psychologie normale et pathologique.
Esquisse d'une théorie psychologique de la déclinaison, on retrouve cette caractéristique qu'on fait de la linguistique, mais qui a une dimension psychologique, dans un sens que je vais devoir vous expliquer, mais qui va apparaître clairement dès le commentaire que nous ferons de l'introduction à temps et verbe. Donc là, qui travaille sur la déclinaison, donc vous voyez que là, il travaille plus sur les parties du discours, en particulier là, sur les parties du discours lexical. Comment se fait un système grammatical en 1939? Un article très important dans le français moderne de 41 de la répartition des trois radicaux du verbe « aller » entre les formes de la conjugaison française. Là, c'est un article assez important pour toutes sortes de raisons qui essaie d'expliquer pourquoi. Enfin bon, vous savez tous qu'en français, pour conjuguer le verbe « aller », on utilise trois radicaux. « V » dans « je vais », »,« tu vas », »,« il va ».« Al » dans « j'allais », »,« tu allais », etc. Et « ir » dans « j'irai », »,« tu iras », »,« ira ». Bon, la question que pose Guillaume, c'est... pourquoi on utilise al à tel endroit, v à tel endroit, ir à tel endroit? Une question que normalement on ne se pose pas. Enfin, on se dit, bon, voilà, c'est du polymorphisme. Il y a trois morphèmes pour dire exactement la même chose, hein, qui veulent dire le verbe aller. Ben, Guillaume essaie de montrer que la répartition de ces radicaux n'est pas due au hasard, mais qu'il y a une raison. Et c'est cette raison qu'il essaie d'analyser dans ce texte. En 43, existe-t-il un déponent en français, encore dans le français moderne? Alors, vous voyez que ces supports de publication sont très peu variés. Hein. Au début, c'est surtout le journal de psychologie normale et pathologique, et ensuite, c'est le français moderne qui a été la revue qui a accueilli le plus ces publications. Paraît-il que Dosa, qui dirigeait la revue, les acceptait sans grand enthousiasme, mais il les acceptait tout de même. Parce que c'était quand même, Guillaume, quelqu'un qui était en dehors du système, donc bon, un peu un marginal, un original, donc on avait quand même du mal à le publier, mais bon, le français moderne était tout de même une revue assez ouverte, finalement, c'était un bon vecteur de ses idées. Particularisation et généralisation dans le système des articles français. Donc, vous voyez que là, il revient sur la question des articles qui étaient l'objet de son premier livre, mais il y revient d'une façon complètement différente. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. 45, la question de l'article à nouveau, hein, d'une raison qui s'est opposée jusqu'ici à une coopération étroite et fructueuse des linguistes historiens et des linguistes théoriciens. Vous voyez qu'il y a une opposition sous-jacente entre ce qu'est un linguiste historien et ce qu'est un linguiste théoricien. En 45, alors c'est son troisième livre, mais c'est un tout petit livre, et c'est un peu la même problématique que temps et verbe, l'architectonique du temps dans les langues classiques. Si vous voulez, le modèle de temps et verbe est appliqué au latin et au grec, très vite, temps et verbe a été publié dans le même volume que l'architectonique du temps dans les langues classiques. C'est pour ça que je dis, il n'y a que deux livres de Guillaume, au fond. Il y a le système de l'article et sa solution dans la langue française, et puis il y a le livre sur le verbe, qui inclut temps et verbe, et puis l'architectonique du temps dans les langues classiques. Donc là, il développe son modèle, qu'il a mis en place sur le français, il le développe plus en détail les langues classiques. Ensuite, à nouveau sur l'article, logique constructive interne du système des articles, 1951, la représentation du temps dans la langue française. Vous voyez que c'est vraiment pas... On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui se disperse. Hein. Travaille sur le verbe, l'article. C'est bon. C'est assez... C'est pas un monomaniaque, mais c'est quand même quelqu'un qui approfondit les analyses qu'il fait. Et alors, ce texte de 1951, d'ailleurs, il y en a deux. Hein, dans deux numéros de 1951 du français moderne, il y a un texte de Guillaume qui porte le même titre, hein, La représentation du temps dans la langue française 1 et La représentation du temps dans la langue française 2. Ces deux textes sont publiés en 51 dans le français moderne et ils seront à l'origine d'une polémique qui va durer 10 ans quasiment, une polémique qui a mis en scène, si vous voulez, des opposants au point de vue de Guillaume et les défenseurs de Guillaume qui étaient ses élèves, comme Moignet, Stéphanini,
Palin. Donc il y a eu des échanges d'articles à l'intérieur du français moderne, d'année en année, pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un genre de battle, hein, entre est-ce que le modèle guillaumien, enfin Guillaume versus anti-Guillaume. Donc c'est une polémique intéressante dans le détail de son argumentation, et j'espère que j'aurai le temps de vous en parler, puisque ça intéresse directement notre sujet sur la représentation du temps. Vous voyez que entre les années entre 1929, qui est donc la date de publication de Temps et Verbe, et 51, donc 20 ans après, vous voyez, le livre paraît, l'article qui génère une polémique arrive 20 ans après. Et il y a des raffinements au bout de 20 ans, mais le modèle théorique qui a été mis en place dans Temps et Verbe reste à peu près le même en 51. À ce moment-là, il y a déjà des controverses sur le fait de savoir si ce modèle est pertinent ou pas, etc. Hein? Donc, ça n'est pas non plus, donc il y a des défenseurs, des détracteurs, mais c'est donc un modèle qui se prête à la discussion et au débat, à l'amélioration, à la critique, etc. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les Guillaumiens ont toujours été, les Guillaume et les défenseurs de Guillaume ont toujours été des gens extrêmement susceptibles, qui ne toléraient absolument pas qu'on critique la moindre petite chose du modèle. Donc, ça a tendu un petit peu les relations, et du coup, la comparaison du modèle guillaumien avec d'autres modèles n'a pas été menée aussi finement que ça aurait pu se faire. Alors, on va terminer rapidement toute cette petite bibliographie. Donc, vous voyez dans les mélanges d'Oza, encore une fois, sur le temps, hein, de la double action séparative du présent dans la représentation française du temps. Et ensuite, on passe à des problématiques plus générales. La langue est-elle ou n'est-elle pas un système ? 53, psychosystématique et psychosémiologie du langage. Bon, à nouveau le temps, époque et niveau temporel. Et enfin, observation et explication dans la science du langage, qui est le dernier article de Guillaume. Voilà, donc Guillaume meurt en 60. Il laisse à sa mort, on découvre, 60 000 feuillets manuscrits. Vous voyez, dans ces feuillets, il y avait toutes ces notes. Donc il a enseigné, je vous ai dit, de 38 jusqu'à sa mort, pendant 22 ans, c'est ça ? Ouais. Pendant 22 ans, à l'école pratique des études, il faisait deux cours, et toutes ces notes de cours ont été gardées. Donc, c'est un de ses disciples, Roch Vallin, un Canadien, québécois, qui a été choisi plutôt comme légataire des écrits de Guillaume. Et donc, tous les manuscrits de Guillaume sont partis au Canada, à l'Université Laval, où il y a un centre de recherche où la plupart des spécialistes de Guillaume sont allés pour travailler sur les manuscrits. Alors, on a commencé à publier les leçons, il y a une erreur là, c'est en 69. Hein, on a commencé à publier les leçons en 1969, et aujourd'hui, en 2016, il y a 23 volumes qui sont parus. 23 volumes des leçons qui sont extrêmement intéressants dans la mesure où vous avez vraiment l'impression de suivre le cours de Guillaume. Il y a énormément de... Alors, ça fait beaucoup de textes, hein, mais il y a énormément de répétitions d'un cours à l'autre parce qu'il reprend au cours d'après, comme doit faire tout bon professeur, hein, ce qu'il a expliqué le cours d'avant un peu pour avancer d'un pas, etc. Donc, pour comprendre vraiment l'esprit de l'analyse guillaumienne,
la lecture de ces leçons est extrêmement intéressante. Alors, je ne vous les ai pas mentionnées dans la bibliographie, mais par curiosité, allez voir un jour en bibliothèque, ou alors, je dirai ça après, il y a aussi une base de données, Gustave Guillaume, qui est extrêmement bien faite, dont je vais vous parler dans un instant. Donc, début de la publication des leçons, en 64, un volume Langage et sciences du langage, qui en fait est un recueil de tous les articles que je vous ai mentionnés. La liste des articles que je vous ai donnés est la liste exhaustive de ce qu'a publié Guillaume. Il n'y a rien publié. C'est, en gros, quantitativement, c'est ce qu'un maître de conférence a dans son dossier en termes de nombre d'articles quand il se présente sur un poste à l'université. Dans les canons quantitatifs actuels, c'est un niveau de publication assez faible, au fond, quantitativement. Mais évidemment que qualitativement, ça vaut bien des gens qui ont écrit 100 articles sans grand intérêt. Donc, Langage et sciences du langage, c'est un livre qui recueille tous ces articles. Ensuite, en 73, a paru un autre livre intitulé « Principes de linguistique théorique » qui est très bien pour s'initier à la linguistique guillaumienne. C'est un volume d'extraits significatifs des leçons de Gustave Guillaume qui sont regroupés par thème. Donc vous avez, comme ça, vous pouvez parcourir, c'est un petit livre pas très volumineux qui vous permet de parcourir assez vite l'ensemble des problématiques de la linguistique guillaumienne. Et ensuite, on a publié, à partir de 2003, un certain nombre de volumes qui étaient en préparation, des livres que Guillaume avait commencé à préparer, qu'il n'a pas terminé. Donc, deux volumes intitulés « Prolégomène à la linguistique structurale ». Et puis, un premier volume, un premier tome de « Essais de mécanique intuitionnelle ». Bien, alors, je vous le disais, je ne l'ai pas mentionné ici, mais je vais tâcher de l'ajouter dans le PowerPoint, il y a la base de données Gustave Guillaume, qui a été faite par des Coréens d'ailleurs. Je vous mettrai l'adresse je vous indiquerai l'adresse de cette base de données sur le site. Mais si vous tapez base de données Gustave Guillaume en principe sur Google, vous devez tomber dessus. Donc c'est un site dans lequel vous pouvez récupérer. Alors d'une part, il y a un moteur de recherche où à partir de n'importe quelle notion, vous récupérez, article défini, vous trouvez tous les extraits dans lesquels Guillaume a parlé d'article défini, dans tout ce qui a été numérisé. Ils ont numérisé beaucoup de choses, hein, pas tout, mais beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez aussi récupérer, il y a une recherche qui s'intitule « Recherche de la page ». Et en fait, là, vous pouvez récupérer en PDF l'intégralité des livres, en fait. C'est-à-dire que par paquet de 5 pages. C'est-à-dire que vous allez chercher dans, par exemple, « Temps et verbe », vous mettez page 1 à 5, ça ne va pas plus de 5. Hein, l'empan est maximum 5 pages. Et vous récupérez un PDF des 5 premières pages, puis ensuite vous faites de 6 à... Et puis comme ça, vous pouvez récupérer en PDF l'ensemble du livre. Il y a un moteur de recherche aussi uniquement sur les schémas, etc. etc. C'est très bien fait. Bon, c'est quand même très très bien fait, très utile. Donc je pense que vous serez peut-être amené à aller voir cette base de données. Nous allons donc maintenant, et on va commencer aujourd'hui simplement avec l'introduction, et nous continuerons la semaine prochaine avec le premier chapitre. Nous allons commencer donc à travailler d'une manière approfondie sur le texte de Guillaume, hein, sur le texte donc de Temps et Verbe. Je pourrais très bien vous présenter rapidement le modèle en résumé, synthétique, etc. Mais je trouve qu'il est important que vous ayez une idée du texte lui-même
C'est la raison pour laquelle je vous propose de travailler vraiment sur les textes compliqués. Alors, ce qu'on va faire là aujourd'hui, je vais d'abord vous lire l'introduction, je vais vous la lire intégralement, c'est pas très long, et ensuite j'afficherai le document et on le commentera en détail. Alors, c'est donc l'introduction, les premières pages de l'architectonique du temps dans les langues classiques. L'architecture du temps diffère beaucoup d'une langue à l'autre, que la comparaison ait lieu entre langues appartenant à des familles différentes ou entre langues apparentées, comme le sont les langues indo-européennes. Là, en effet, ou, pour ne citer que des exemples typiques et généralement connus, le latin compte 3 passés, on en compte en grec 4, en français 5, en allemand 3, en russe un nombre qui varie avec celui des aspects dont le verbe est pourvu. Même désaccord quant au nombre de futurs, 2 en latin, 1 en grec et parfois 2 en français, pardon, 1 en grec et parfois 2, en français 4, en allemand 2, en russe un nombre variable en connexion avec celui des passés. Il n'est qu'un seul point sur lequel les 5 langues précitées s'accordent, l'unité du présent. L'attitude de la linguistique en présence de ces systématisations dissemblables du temps a été communément de n'y voir pas autre chose que le résultat, plus ou moins accidentel, du développement mécanique du langage. Et de fait, il n'est pas une seule des formes temporelles du verbe dont on ne puisse rendre raison de cette manière. Mais cette explication, satisfaisante du point de vue historique, ne l'est pas au point de vue théorique. Comment concevoir en effet que du seul développement mécanique du langage puisse résulter un édifice aussi abstraitement systématique que celui du temps dans l'universalité des langues? Il y a là une contradiction à laquelle on échappe que si l'on suppose que le système du temps, il y a là une contradiction à laquelle on échappe que si l'on suppose le système du temps capable de s'accommoder par le jeu des transformations intérieures, n'en altérant pas l'unité d'agencement aux conséquences matérielles du développement mécanique du langage. L'examen des faits montre qu'il en est ainsi. Le système du temps, tout en demeurant égal à lui-même in globo, est sujet à se construire différemment suivant qu'on le développe par rapport à telle ou telle des oppositions qu'il enferme. Un exemple aidera à fixer les idées. Le latin rapporte le système du temps à la relation de présent à passé, amo, amavi. Et c'est autour de cette relation, prise comme axe, qu'il développe les deux époques passées et futures. Ce qui donne, ainsi que le montre cette figure, d'un côté de cet axe, un futur de présent amabo et un futur de passé amawero, et de l'autre côté, un passé de présent amabam et un passé de passé amaweram. En français, le système en soi demeure le même, mais son axe, sa base analytique est changée. Ce n'est plus l'opposition de présent à passé, mais dans le présent même, celle de ses éléments constitutifs. La parcelle de passé est la parcelle de futur qu'il enferme. Et c'est autour de cette opposition, prise comme axe du système, que se développent les époques passées et futures. De là, dans l'époque passée, deux passés, l'un de la partie future du présent, aimait, eut aimé, l'autre de la partie passée, aimait, avait aimé, et dans l'époque future, deux futurs, l'un de la partie future du présent, aimerait, aurait aimé, l'autre de la partie passée, aimerait, aurait aimé, avec un S cette fois-ci à aurait. La figure suivante représente ce système. On pourrait, en changeant de langue ou d'époque, multiplier ces exemples. Il apparaîtrait partout que le système du temps demeure en soi constant et que si l'architecture en diffère, c'est qu'il s'ordonne par rapport à une différente opposition de deux de ses parties constitutives. Si puissantes que soient les facultés d'analyse de la masse des sujets parlants, la possibilité de déceler à l'intérieur du système du temps des antagonismes nouveaux propres à lui servir d'axe est loin d'être illimitée. Elle est toutefois assez étendue pour permettre de le renouveler sans rien lui ôter de sa rationalité interne, autant que l'exige la résistance invincible qu'il doit opposer afin de ne pas être détruit aux variations mécaniques et arbitraires du langage. Comment s'opère cette résistance? Les choses se passent ainsi. La variation mécanique du langage introduit arbitrairement dans le système des innovations qui lui sont étrangères et dont la valeur expressive est perçue avec plus ou moins d'intensité par l'ensemble des sujets parlants.
Si cette perception manque d'intensité, le système résiste efficacement in statu quo et ces innovations arbitrairement introduites ne se fixent pas dans la langue. Le système dans lequel elles ne trouvent pas leur place les rejette et, après une existence plus ou moins éphémère, elles tombent dans l'oubli. Si au contraire, la valeur expressive des dites innovations est perçue avec intensité, le système, incapable d'une résistance efficace in statu quo, change de base analytique et se reconstruit de manière à se les incorporer grâce à un nouvel assemblage de ses parties. Voilà ce qui s'est produit au moment où le latin est devenu le français. Le système verbo-temporel latin, menacé de rupture par tout un ensemble d'innovations émanant du substrat, s'est recomposé sur une base analytique nouvelle en vue de s'incorporer celle de ces innovations dont la valeur expressive trop intensément perçue rendait l'élimination impossible. Lorsqu'un système s'est ainsi intégré par sa propre transformation interne des innovations de source externes qui autrement l'eussent rompu, ces innovations, quoique originairement arbitraires, font partie du système comme s'il les avait engendrées rationnellement en vertu de ses propres motifs, d'où possibilité de les justifier en système sans même avoir à faire mention des conditions mécaniques dans lesquelles elles sont produites. Ainsi, dans la partie formelle de la langue, où les signes se groupent en système, l'explication mécanique se double partout d'une explication psychologique, ce qui permet de recourir à volonté soit à l'une, soit à l'autre. La première présente, en quelque sorte, la face externe du phénomène, c'est-à-dire les accidents phonétiques ou analogiques à la suite desquels les formes ont acquis leur valeur, et la seconde, la face interne, c'est-à-dire les transformations de système qui ont accompagné et permis cette acquisition, ce qui est une manière de la causer. Les deux, chacune dans leur ordre, sont également valables, mais tandis que l'explication mécanique représente la pratique suivie avec succès dans de nombreux travaux, on ignore à peu près complètement les possibilités de l'explication psychologique. Rares sont en effet les ouvrages où elle occupe une place importante, plus rares encore ceux, comme la présente étude, où elle est tout. Cela tient à ce que la linguistique, dans sa crainte de ne pas garder avec les faits un contact assez étroit, a évité autant que possible d'aborder les problèmes de morphologie du dedans, du côté de la pensée, ce à quoi elle eût été amenée nécessairement si elle eût perçu avec netteté qu'un système morphologique considéré abstraitement en lui-même, indépendamment de ses signes représentatifs, est une entité qui, pour être immatérielle, n'en constitue pas moins un facteur réel de la langue, comportant un mode d'évolution propre que l'évolution plus apparente des autres facteurs est tenue de respecter et dont il incombe par conséquent au linguiste d'acquérir une vue distincte. Tel est l'objet, c'est la conclusion de cette introduction, tel est l'objet du présent ouvrage. L'expérience qu'il tente, dans les limites de la question du temps et du verbe, c'est de dégager analytiquement de l'ensemble complexe du langage la partie systématique idéale en vue de la soumettre à une étude exclusive qui en révèle les propriétés et les lois. Voilà donc pour le texte de cette introduction que nous allons maintenant que vous avez une idée un petit peu d'ensemble de ce dont il est question, on va donc travailler plus en détail sur ce texte pour que vous le compreniez bien. Alors, je vais fermer ça et ouvrir ça. Alors, pour l'affichage, là, est-ce que vous voyez ? Non, là, c'est trop petit. On peut agrandir. Bah, c'est trop grand. Comme ça, c'est la comparaison. Ah non, mince, je me suis trompé, c'est le PDF, parce que là, il y a le PDF. Ah zut. Bon bah. Ah si, il est là. Voilà. Merci. Voilà. Donc on va augmenter un peu, je crois. 120, on va essayer. Ça va là, vous pouvez lire à peu près. Je peux même augmenter un petit peu. Voilà, là on est au maximum de la taille. Bien, alors, reprenons donc ce texte.
Donc, vous voyez que le début de l'introduction part d'une constatation, hein, une constatation tout à fait élémentaire, c'est que quand on compare des langues, même des langues relativement proches, hein, les langues romanes, et même la langue mère du français, le latin, on constate très facilement que quand on examine le système des temps du verbe, on a des variations très très grandes d'une langue à l'autre. Donc, l'objet du livre, ce sera donc d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces variations. Et vous voyez que l'idée sera surtout d'essayer de comprendre pourquoi le français a modifié le système du latin. Après tout, on pourrait avoir en français le même système des temps que le latin. Pourquoi il y a eu des modifications ? Bon. Vous voyez également l'intérêt pour Guillaume pour d'autres langues. Hein, et donc, cela laisse supposer que son analyse du système verbal est destinée à s'appliquer à n'importe quelle langue, même si il travaille sur, il travaille en détail sur l'analyse du français. Bien, alors, je lis ce petit passage. L'attitude de la linguistique en présence de ces systématisations dissemblables a été communément de n'y pas voir autre chose que le résultat plus ou moins accidentel du développement mécanique du langage. Alors, est-ce que vous voyez à quoi il fait allusion quand il parle de développement mécanique du langage ? Il fait allusion aux accidents phonétiques, aux lois phonétiques, hein, qui ont modifié les signifiants et donc qui ont fait que la régularité morphologique qu'on pouvait avoir en latin est altérée par des modifications, par des évolutions, des voyelles qui tombent parce qu'elles ne sont pas accentuées, des phénomènes de toutes sortes qui sont les lois phonétiques. Hein. Donc, quand Guillaume parle de ce qui est de l'évolution mécanique, du développement mécanique du langage, il faut comprendre qu'il fait allusion aux lois phonétiques, qui sont perçues comme arbitraires, non pas en tant que loi, en tant que loi, elles s'appliquent avec une certaine systématicité, mais du coup, ça entraîne des modifications arbitraires par rapport au sens des mots sur lesquels ça s'applique ces variations. Bien. Alors, il dit qu'en effet, on peut rendre compte des formes temporelles du verbe d'un point de vue historique, mécanique, en prenant en considération les évolutions phonétiques, mais que cette explication n'est pas satisfaisante du point de vue théorique. Alors la question qu'il pose est la suivante: comment concevoir que du seul développement mécanique du langage puisse résulter un édifice aussi abstraitement systématique du temps dans l'universalité des langues? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on décrit le système du français, il y a bien un système, c'est-à-dire quelque chose de systématique, de régulier. Or, si seules les lois phonétiques avaient joué, à partir d'un système régulier qui est celui du latin, eh bien, on aurait eu un système totalement irrégulier, hein, si on n'applique que les lois phonétiques. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose comme une sorte de resystématisation qui récupère, en quelque sorte, les accidents phonétiques. Donc, sa réponse est la suivante: il y a là une contradiction à laquelle on échappe, que si l'on suppose le système du temps capable de s'accommoder par le jeu de transformations intérieures n'en altérant pas l'unité d'agencement aux conséquences matérielles du développement mécanique du langage. Alors, vous voyez qu'on a ici une opposition entre l'extérieur qui sont les formes visibles, hein, les morphèmes qu'on peut décrire et puis qui sont portés par des phonèmes qui, eux, subissent les altérations phonétiques, et puis l'intérieur qui est, disons, ce qui se passe dans l'esprit du sujet parlé.
Donc il y a là une sorte de décalage entre les altérations phonétiques et ce qui se passe au niveau intérieur, interne, psychique, si vous voulez, qui fait qu'il peut y avoir une systématisation qui n'est pas forcément entièrement visible de l'extérieur, mais qui existe à l'intérieur. Alors, ensuite, Guillaume prend un exemple pour montrer donc cette idée, pour illustrer cette idée que chaque langue a une forme de systématisation qui est régulière et qu'il n'y a pas une langue mère, le latin, qui était bien régulière, bien systématique, et que les altérations phonétiques ont abouti en français à un système complètement bancal, irrégulier, dû à des altérations. Alors, l'exemple qu'il donne du latin est celui des verbes à l'indicatif, hein, de la conjugaison des verbes à l'indicatif, donc je ne vais pas regarder le détail de la morphologie verbale du latin, mais bon, peut-être que certains d'entre vous connaissent un tout petit peu suffisamment les distinctions pour reconnaître donc comprendre tout au moins ce schéma et reconnaître les formes d'imparfait, donc amabam, le présent amo, et le futur amabo. Donc le propos de Guillaume, c'est donc de dire que ce qui structure le système des temps en latin, c'est la relation de présent à passé, donc amo amaoui, sur l'axe vertical, là, vous voyez, hein, amo en haut, amaoui en bas. Et donc, je cite à nouveau, là, c'est autour de cette relation prise comme axe qu'il développe les deux époques passées et futures, ce qui donne d'un côté de cet axe un futur de présent à Mabo et un futur de passé à Mawero, bon, conditionnel, et de l'autre côté un passé de présent à Mabam, donc l'imparfait, quoi, hein, et un passé de passé à Maweram, plus que parfait. D'accord ? Alors, évidemment, ici, Guillaume donne simplement une illustration rapide, mais sans la justifier complètement, parce que donne juste un exemple. Mais on peut voir, en examinant un tout petit peu ce schéma, que ce qui va justifier la structuration des temps en latin sous cette description, ce sont bien les formes. Vous voyez qu'on a sur la première ligne amo, amabam, amabo de part et d'autre, c'est-à-dire des formes où vous avez la consonne B qui a un statut morphologique et qui donc marque une sorte de niveau, qui est ce qu'il appelle le niveau de présent. Hein. Le niveau de présent est marqué ici par la consonne B. Alors que le niveau de passé est marqué par le W, hein, par amaweram, amawi, amawero. Donc, ça c'est une idée sur laquelle je reviendrai plus tard, mais c'est l'idée que la morphologie, la régularité de la morphologie, est une trace visible de la systématisation interne du verbe, qui elle n'est pas visible. Bien, donc admettons, sans plus de commentaires, on pourrait bien sûr évidemment essayer d'analyser cette description, mais ça n'est pas l'objet ici du texte, hein. L'objet est simplement de comparer avec le français. Alors, par rapport au latin, le français a un autre système, hein. Alors, je vous affiche le texte, sa base analytique a changé. Ça n'est plus l'opposition de présent à passé. Alors, ça n'est plus l'opposition de présent à passé qui compte, mais dans le présent, une parcelle de passé
et une parcelle de futur. Une distinction entre à l'intérieur du présent, un peu de passé et un peu de futur. Et c'est donc autour de cette opposition que se développent les époques passées et futures. Donc, les deux passés, vous avez un passé de la partie future du présent, qui est donc le passé simple et puis la forme composée. Le passé simple est la forme composée. L'autre, de la partie passée, donc l'imparfait, peut-être plus que parfait. Et puis au futur, deux futurs. L'un de la partie présente du futur, qui est le futur qu'on appelle simple, et l'autre qui est donc le conditionnel. Alors, je passe sur... je ne passe pas. Vous avez une note là qui indique que les formes composées, la distinction entre les formes simples et les formes composées ne concerne pas le temps mais l'aspect. Donc ça, retenez ça, mais j'en parlerai plus tard. Et puis ensuite, vous avez une note qui indique que le passé simple et le passé antérieur sont très peu employés dans la langue parlée. Bon. Alors, voici donc le schéma du présent, où vous avez donc au centre les deux parties du présent, la partie future et la partie présente, qui est donc ici signifiée par cette distinction d'aspect entre aimer et aimer, donc le présent du verbe aimer et le présent de l'auxiliaire du verbe aimer. Bon, donc tout simplement, là, ce qu'il faut noter, c'est que le présent est conçu comme étant composé de deux parties, une partie future et une partie passée. Et qu'à partir de chacune de ces parties, eh bien, on a un développement des formes qui vont être du niveau de la partie future du présent, qui sont donc le passé simple d'un côté et le futur de l'autre, et puis les formes qui sont du niveau du passé, avec l'imparfait plus le plus que parfait, donc je ne parle pas des formes composées, le conditionnel. Bon. Alors vous voyez encore une fois que la distinction des deux niveaux, là, et la symétrie, elle est fondée sur des observations morphologiques. On voit bien que ici, l'identité de niveau est fondée sur un argument portant sur la présence de la désinence AI dans les deux cas, tandis que le niveau du dessous se caractérise par des désinences en AIS. Et puis, la séparation entre la partie gauche et la partie droite du schéma, donc entre le passé et le futur, elle est marquée par le morphème R, qui est présent dans les deux types de futur, mais qui est absent dans les deux passés. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des indices morphologiques. Alors, évidemment, ça marche bien avec les verbes du premier groupe, ça marche moins bien avec d'autres types de verbes, mais ça, c'est un autre problème que je laisse de côté pour l'instant. Donc, quand on compare ce schéma qui est le schéma vous voyez, du français et le schéma du latin, on voit qu'on a à chaque fois deux types de régularité. Parce que là, en latin, on a donné que la première personne, mais tout est très régulier. L'imparfait du latin, c'est amabo, amabam, amabas, amabut, bat, amabamus, amabamis, amaban. C'est hyper régulier. Pareil pour le futur et tout ça. Donc, on a une seule forme, mais ce sont des formes représentatives de l'ensemble du paradigme à chaque fois. Donc, dans l'argument de Guillaume, ce qui est important de retenir, c'est que on a bien, dans les deux cas, une régularité, une systématicité, qui se présente d'une façon différente, vous voyez, mais à chaque fois, on a quand même quelque chose de systématique. Bon, c'est cela qu'il veut nous dire ici. Alors, en
ensuite, son argumentation consiste à essayer de justifier par la notion, l'idée d'expressivité, la raison de cette réorganisation interne des systèmes verbaux temporels. Alors, je lis ce passage. Là, les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Si puissantes que soient les facultés d'analyse de la masse des sujets parlants, la possibilité de déceler à l'intérieur du système des temps, du temps, des antagonismes nouveaux propres à lui servir d'axe est loin d'être illimité. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Là, vous voyez qu'il prend le point de vue des facultés d'analyse de la masse des sujets parlants. Donc, il prend vraiment en considération, là, non plus le système de la langue au sens structuraliste du terme, mais, si j'ose dire, ce qui se passe dans la tête des sujets parlants, leur capacité d'analyse. On dirait aujourd'hui ce qui se passe cognitivement. Donc, l'idée ici, c'est que il y a des possibilités qu'on peut considérer comme limitées d'analyse des formes par les sujets parlants, limitées, mais toutefois assez étendues pour pouvoir renouveler le système. Et le point important est sans rien lui ôter de sa rationalité interne. Autrement dit, vous voyez que l'idée, c'est que, en quelque sorte, la cognition humaine a besoin d'un minimum de rationalité et que elle reconstruit une rationalité dès qu'elle le peut quand un système est trop désorganisé. En simplifiant beaucoup. Bon. Alors, cette réorganisation, à la fois la partie destructive et la partie reconstructive de la réorganisation, est fondée, pour Guillaume, sur la notion d'expressivité. Hein ? Il y a des formes, dit-il, qui sont perçues comme plus expressives que d'autres par les sujets parlants. Plus expressives, hein, vous voyez ce que ça veut dire. C'est un peu vague, hein, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, expressive ? Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, on perçoit une forme comme ayant quelque chose d'un peu saillant, d'un peu spécial. Bon, et on l'utilise parce que on sent qu'elle est un peu spéciale, qu'elle se détache de ce qui est commun, disons. Bon, peut-être que je vous en reparlerai plus tard, mais il y a toute une théorie du rapport entre l'expression et l'expressivité chez Guillaume qui est extrêmement intéressante. Mais effectivement, là, dans le texte, on pourrait débattre sur ce qu'il appelle expressivité. Si l'expressivité est suffisamment grande, la forme se maintient, et si elle n'est pas assez grande, eh bien l'innovation ne prend pas. Et donc, en résumé, c'est un résumé extrêmement sommaire, mais voilà ce qui s'est produit au moment où le latin est devenu le français. Le système verbo-temporel latin menacé de rupture par tout un ensemble d'innovations émanant du substrat. Donc, cette menace, elle vient de l'évolution phonétique, de la déformation des signifiants, hein, de l'évolution des signifiants. C'est recomposé sur une base analytique nouvelle en vue de s'incorporer celle de ces innovations dont la valeur expressive rendait l'élimination impossible. D'accord ? Donc, on maintient les innovations qu'on ne peut pas éliminer parce qu'elles sont trop expressives. Bien. Alors, écoutez, je vois que là, il est déjà moins 10. Donc, si vous voulez bien, on reprendra la prochaine fois. Je finirai le commentaire de cette introduction. Mais on a encore 5 minutes. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui...